Tu vois, j'ai pris avec le couteau, il y a quelque chose qui ressort. Voilà, il y a de la crème. Le succès de la burrata coïncide avec les différentes crises qu'a traversé la mozzarella. Aujourd'hui, les ventes de burrata dépassent même celles de la grande sœur. Oui, on vend beaucoup plus de burrata que de boufflons. Environ 120 kg de burrata par semaine et 90 kg de boufflons. La burrata de 300 grammes est vendue 5 euros, exactement le même prix que la mozzarella. La burrata est le fromage italien à la mode, toute la presse en parle. Considérée comme plus délicate et plus savoureuse que la mozzarella di bufala, elle est même servie à la table des plus grands palaces parisiens. Aujourd'hui, les burratas sont également vendus en hypermarché. C'est dans la région des Pouilles, à 300 km de Naples, qu'est né ce bijou crémeux. Depuis 3 ans, son usine tourne à plein régime. 30 ouvriers fabriquent 8 heures par jour des burratas. Alors, ça c'est le produit fini. Je peux en prendre un ? Bien sûr ! Ce matin, une chaîne de production est consacrée aux produits de Nello. Là, c'est les petites burrata qui sont donc destinées à la grande distribution sur le marché français. Et donc là, c'est très crémeux. C'est crémeux, donc à l'intérieur, vous avez donc de la stracciatella. La stracciatella, c'est le succès de la burrata. Il s'agit en fait de simples fils de mozzarella plongés dans de la crème. Le principe, c'est de prendre une mozzarella. Donc l'opérateur, il prend la mozzarella, il met de l'air comprimé à l'intérieur. Ça va devenir un petit ballon, la même chose que quand vous prenez un ballon et vous soufflez dedans. Et ensuite, donc, on va mettre la stracciatella à l'intérieur. Finalement, la burrata, ce n'est ni plus ni moins que de la mozzarella fourrée. Elle a d'ailleurs la même durée de conservation. À l'origine, les poches étaient gonflées à la bouche. Le produit a été imaginé dans la région des Pouilles pour éviter le gaspillage. Historiquement, les Pouilles, c'était un territoire pauvre. Chaque fermier n'avait que quelques vaches. Donc, il faisait de la mozzarella. Mais il leur restait cette matière grasse, la crème. Dans les années 50-60, ils ont décidé d'utiliser cette crème et de la mettre dans la mozzarella. À l'origine, la burrata était donc composée de restes de mozza. Mais surtout, nous apprenons qu'elle est uniquement fabriquée à partir de lait de vache. Le produit est d'ailleurs très peu consommé en Italie. Il faut dire que les Italiens la trouvent bien moins goûteuse que la mozzarella di bufala. Ce qui est drôle, c'est que moi, la burrata, je la connaissais pas, en fait, en Italie. Très peu de personnes la connaissent, surtout dans le sud de l'Italie. Vous trouvez ça aussi savoureux que la mozzarella di bufala ou pas ? Vous dire que je la trouve aussi savoureuse, non, mais je commence à l'apprécier de plus en plus, d'autant plus que ce sont quand même des produits de qualité. À partir du moment où le produit est de qualité, je m'y habitue. Nello s'est surtout habitué à l'énorme succès commercial que rencontre la burrata en France. En 3 ans, les Français sont devenus les plus gros consommateurs au monde. Nello a vendu l'année dernière 36 tonnes de burrata dans l'Hexagone, à 3 euros le petit pot.